amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'un token que j'ai acheté il y a. C'est l'avant-dernier token que j'ai acheté il y a quelques mois qui est sur le réseau Hedera. Comme je vous rappelle, j'ai investi sur Hedera, sur XRP, sur le XRP Ledger. Donc pour moi, c'est important ensuite de voir que, bien sûr, il va y avoir une évolution, il va y avoir sur ces blockchains, il va y avoir tout simplement des entreprises, des projets qui vont se greffer, qui vont être intéressants. Et comme on est au tout début de ces entreprises, évidemment, les tokens risquent de monter. Donc c'est intéressant de se positionner sur des projets, sur des bons réseaux, des bonnes blockchains qui nous permettront, enfin qui me permettra en tout cas de faire des plus-values. Et donc aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai parlé de mon dernier token qui était SHX que j'avais acheté. Et là, c'est mon avant-dernier token que j'ai acheté, c'est Dovu. Tout simplement, j'en ai acheté quand même pas mal. J'en ai acheté 1 million et j'ai d'ailleurs bien fait évoluer ces millions par une stratégie. En fait, tout simplement, ce token a énormément de volatilité. J'ai remarqué ça dès le début. Et il est souvent en sens contraire du hashbar. C'est-à-dire que quand hashbar monte, lui, il descend, etc. Et en fait, ça permet de faire tout simplement de faire des swaps et de pouvoir, quand l'un monte, eh bien, de vendre et de basculer sur l'autre. Et en fait, j'ai réussi à vraiment bien augmenter mon portefeuille grâce à ce système. Et surtout, il y a énormément de volatilité sur Dovu, c'est-à-dire que souvent en un jour il peut perdre 20% ou monter de 20%. Donc c'est intéressant quand vous avez soit de l'USDC ou du HBAR en contrepartie. Si ça baisse de 20%, vous pouvez swapper du HBAR tout simplement en Dovu, ou vice-versa, quand ça pompe, vous pouvez mettre en USDC ou en Hedera, etc. En tout cas, moi, pour l'instant, ça fonctionne très très bien en jouant comme ça, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, je me régale. Voilà, donc maintenant, on va parler un petit peu de Dovu. Eh bien, Dovu, c'est une entreprise qui navigue dans l'évolution du crédit carbone. Et d'ailleurs, on peut voir que là, en projet, ils ont évalué qu'il y aurait 50 milliards de dollars, c'est la taille du marché volontaire du carbone en 2030, et qu'il y a 2 tonnes d'empreintes carbone moyenne d'ici par an d'ici 2050. Donc c'est énorme. Voilà. Et donc, eh bien, Dovu, elle utilise actuellement la blockchain Hedera Hashgraph pour faciliter les transactions et apporter de la transparence au marché du crédit carbone. La fonction principale, c'est de. Elles ont créé une. Dovu a créé une plateforme d'échange pour les crédits carbone qui est basée sur la blockchain Hedera. Et grâce à cette technologie, Dovu permet en fait aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de négocier des crédits carbone de manière transparente, sécurisée, puisque c'est sur la blockchain, et aussi immuable. On ne peut pas changer ce qui est inscrit sur la blockchain. Donc ça garantit en fait de la traçabilité des transactions et offre une piste d'audit solide. Et en fait, pourquoi une piste d'audit solide? C'est tout simplement parce qu'il y a un projet qui s'appelle le projet Guardian et qui est en collaboration avec HBAR. Et ce projet, en fait, c'est tout simplement qu'ils ont créé une piste d'audit transparente et aux normes, tout simplement en conformité avec l'IWA. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IWA? C'est l'International Water Association. En fait, c'est une compagnie, tout simplement, qui n'est pas gouvernementale, mais en fait, qui donne des normes sur la pollution de l'eau, etc., sur le climat. Et donc, eh bien, ça permet en fait tout simplement à Dovu, quand vous achetez, quand il y a des projets, ils sont d'abord audités par l'IWA pour voir si c'est en conformité et ensuite c'est validé. Tout simplement. Donc, ça, le projet Guardian, ça renforce
la confiance dans les crédits carbone, parce qu'ils sont en conformité. C'est un peu comme Dimitra avec le projet de déforestation, c'est pareil. Voilà. Donc, tout simplement, bah, le projet Guardian, et en fait, ça permet de renforcer parce que, tout simplement, les datas sont fiables puisqu'ils ont été audités par IWA. Voilà. Voilà donc pour on a vu déjà qui étaient ces personnes, le staff, le partenariat. On va juste regarder. On va aller sur la plateforme. On va hop, aller dans projet. Voilà, donc on peut voir que là, vous pouvez acheter tout simplement eh bien, du crédit carbone. On peut acheter tout simplement du crédit carbone. Voilà. Tout est épuisé. Là, vous voyez, tout est épuisé, mais il y a moyen d'acheter. On va cliquer sur un pour voir. Est-ce que 100 tonnes de CO2, celui-là, voilà, il est en précommande. Donc c'est Undo. Kiehundo, échelle d'élimination du carbone basée au Royaume-Uni, amélioration de l'altération des roches, opération basée au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, partie du portefeuille de Strip Climate Leading. Voilà, donc bref, objectif de supprimer 1 milliard de tonnes d'ici 2030. Voilà, donc ça c'est un projet en fait pour tout simplement éliminer la quantité de CO2. Et donc vous pouvez acheter tout simplement du crédit carbone. Et là, on voit que c'est 253 $ plus 38 € de frais. Ça fait presque 300 $ pour acheter un crédit carbone. Alors moi, je n'ai pas acheté de crédit carbone. Pour l'instant, j'ai acheté du Dovu. Peut-être qu'un jour, j'achèterai du crédit carbone après le bull run. Peut-être possible. Parce que il faut savoir qu'on peut faire du staking avec Dovu. Ça ne vous ramène pas énormément. C'est 2,6% par an. Par contre, ils sont donnés journalièrement. Et ça, c'est pas mal, puisque vous pouvez faire des intérêts composés. Mais si vous achetez des crédits carbone, ça va multiplier le staking et augmenter votre pourcentage de staking. Donc ça peut être intéressant. Et une autre chose qui peut être intéressante, mais qui est un peu malheureux, c'est que même si moi, honnêtement, je vous le dis, tout ce qui est climat, carbone, tout le cinéma, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est juste pour faire des taxes. Et puis. Voilà, mais après chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, si vous achetez du crédit carbone, il faut savoir que déjà, je pense que vous avez dû voir sur les banques actuellement, qu'il y a déjà en bas, vous avez votre quota, juste en information hein, pour l'instant, votre quota de crédit carbone, ce que vous avez utilisé comme crédit carbone. Il faut savoir qu'à un moment donné, ils vont serrer la vis, ça sera plus une information, ça sera bah, vous avez tant de crédit carbone par an, et si vous dépassez, bah, c'est fini, on vous bloque, et bien sûr, il faudra qu'ils aient le système numérique, je pense les CBDC, etc., pour pouvoir vous bloquer, mais en tout cas, vous aurez un quota, et vous paierez des taxes si, tout simplement, vous dépasser. Mais pour ça, pour pouvoir contrôler, ils ont besoin, bien sûr, qu'il y ait de moins en moins d'argent liquide, ça c'est clair. En tout cas, vous aurez peut-être le droit, par exemple, 4 fois dans l'année à pouvoir voyager. Si, en tout cas, vous aurez un quota total, et si il est bouffé, bah, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ayant des crédits carbone, eh bien, ça pourra augmenter votre. Si vous avez des crédits carbone, vous pourrez par exemple voyager plus, acheter, je sais pas, plus de viande, etc. Plus de choses. Vous pourrez donc en fait, c'est les gens blindés qui pourront eux vivre tranquillement sans problème. Et vous, par contre, vous serez bloqué. Vous ne pourrez pas faire plein de choses parce que vous n'avez pas assez de crédits carbone. Donc peut-être que. Vous voyez, en étant riche après le bull run, ça peut peut-être aider déjà à avoir un peu plus de liberté. Mais déjà, je ne comprends même pas comment le fait d'acheter, d'avoir de payer des taxes, ça peut aider. Bon, là, oui, dans le sens où on finance des choses qui vont aider. Mais en tout cas, moi, en ayant fait quelques recherches, je trouve que déjà, bah, le CO2, c'est ce qui nourrit les plantes et la terre. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut éliminer du CO2. Mais bon, bref, c'est un autre débat.
En tout cas, le but pour nous, c'est pour moi en tout cas, c'est de me positionner et tout simplement de gagner des sous avec Dovu. Voilà. En tout cas, vous pouvez acheter du crédit carbone, ça c'est sûr. Le staking donc vous ramène 2,5% plus si vous achetez des crédits carbone. voilà. Alors, j'ai presque fini pour Dovu. On va juste regarder un petit. Simplement un petit article qui date du 10 janvier 2023. Donc le Hedera House à Davos 2023. En fait, Hedera House, c'est tout simplement un événement. Cet événement, tout simplement, était un peu comme un summit, en fait. Il y avait beaucoup de conférenciers qui sont accueillis le long de la promenade à Hedera House. C'est là que c'est intéressant. La gamme d'événements à Hedera House comprend un mélange de procédures exclusives sur invitation seulement, ainsi que des panels, des réceptions et des fêtes ouvertes à tous les participants à Davos pendant le WWF 2023. L'initiative de 5 jours comportera des discussions sur l'avenir de la finance régénérative, l'innovation climatique et ESG, la lutte contre la désinformation et la mobilité, ainsi que de nombreux autres sujets. Et là, on peut voir que Hedera House est un lieu neutre en carbone. Hedera ayant acheté des compensations carbone via Dovu. Donc en fait, même pour cet événement, ils ont acheté pour justement que ça soit dans les normes. Donc pour Hedera, pour couvrir les vols, c'est-à-dire que les gens qui sont partis pour tout simplement ce summit, eh bien Hedera a acheté, si vous voulez, comme ils ont consommé du CO2 avec les vols, l'électricité, etc., ils ont racheté du crédit carbone pour tout simplement se racheter. Voilà. Donc les matériaux recyclables, l'accumulation, l'expédition et la nourriture, etc., boissons à l'événement, etc. Voilà. Donc ce qui prouve bien que, en fait, si vous êtes riche, vous pourrez acheter du crédit carbone. Voilà. Il faut quand même noter que donc c'est quand même assez triste pour les gens qui n'auront pas d'argent. Donc maintenant, quels sont les avantages en fait de Dovu? Eh bien, tout simplement, pour moi en fait, c'est qu'ils sont pionniers dans le domaine. Et donc du coup, pour l'instant, Dovu n'est pas encore connu, mais ça va s'accélérer. Comme ils sont pionniers dans le domaine, bah déjà, c'est quand même intéressant de se positionner sur les premiers, parce que c'est les premiers qui vont exploser. Et surtout que le Dovu n'est vraiment pas cher. Actuellement, et je pense qu'il peut exploser, en tout cas selon moi, au prochain bullrun. Même de toute façon, il est déjà en évolution. Voilà. Là, les avantages, bah, c'est que le fait qu'ils mettent ça sur la blockchain, bah, il y a une transparence tout simplement accrue, une traçabilité du crédit carbone, ça c'est quand même intéressant, une sécurité renforcée avec la blockchain, et aussi bah, le fait que vous voyez, vous pouvez acheter des projets de crédit carbone dans le monde entier, bah, en fait c'est une accessibilité mondiale, et ça c'est grâce à la blockchain en fait qui amène bah, tout simplement ça à un marché mondial. Les inconvénients, bah, c'est que, en fait, tout simplement, comme toutes les entreprises sur le numérique, bah, vous êtes dépendant de la blockchain. Donc, c'est quand même, s'il y a une couille sur, excuse-moi du terme, mais sur la blockchain, normalement non. Mais je ne sais pas s'il y a une éruption solaire ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, on est quand même dépendant de la technologie dans ce cas-là. La deuxième chose, c'est que bah, c'est une adoption, à mon avis, qui, comme ils sont les pionniers, ça veut dire que c'est pas encore très démocratisé et du coup voilà pour moi je pense que Dovu c'est le truc qui vraiment explosera dans les années 2030 mais avant bien sûr au prochain bullrun je pense qu'il va déjà exploser mais au niveau des prix je parle d'avoir des prix conséquents je pense que ça sera vraiment vers 2030 mais le but en tout cas pour moi c'est de faire des plus-values quand vous voyez que ça bouge de 20% par jour c'est énorme vous pouvez déjà si vous en avez un petit paquet vous pouvez faire vos plus-values etc voilà. Et je ne suis pas sûr qu'en 2030, il y aura autant de volatilité dans la crypto-monnaie. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense avoir terminé pour ce token Dovu. Oui, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a peut-être... oui. Voir si on n'a pas parlé du prix. Je vais quand même vous montrer le prix du token. Vous voyez, dans mes recherches, j'étais sur une intelligence artificielle. On va aller regarder.
Hop. Voilà, de vous. On va aller sur. Non, il est à 0,003, donc c'est vraiment. Donc il y a quand même déjà une bonne pour voir. Vous voyez? Donc il a perdu déjà, que je vous dis pas de bêtises, un peu plus, un zéro déjà. Et je pense que au prochain bull run, ça va. Il faut savoir que c'est assez récent, hein. C'est récent. Et pour moi, comme c'est tout le début, c'est quand même un projet très intéressant pour le bull run. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui vont rentrer tout simplement dans le crédit carbone pendant ces. Puisque les institutionnels vont rentrer pour le bull run de 2024. Voilà. Voilà pourquoi je me suis positionné aussi sur Dovu. Voilà. Et comme vous voyez ici, Dovu a migré. Avant, ils étaient sur la BSC, Ethereum et Polygon, et maintenant ils sont sur Hedera. D'ailleurs, il y a eu des petits soucis parce que c'est plus le même. Avant, il y avait un autre token, et les gens ont parfois du mal à swapper pour le mettre maintenant sur le. Pour échanger ce qu'ils avaient avant, les Dovu qu'ils avaient avant acheté sur BSC, etc. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt, ciao!